Salut les amis, des nouvelles enfin, au bord de l'eau. Bon, enfin au bord de l'eau, j'ai pêché quand même un petit peu au mois de mai, mais j'ai pas fait de fine, conditions climatiques ne le permettaient pas, puis j'étais pas mal pris. Donc puis j'ai fait un petit break aussi, je dirais égoïstement, j'ai pêché pour moi. Donc aujourd'hui je suis parti avec mon fiston, on fait une pêche de nuit, bon, on va pousser vers dans la nuit quoi. Et vous allez découvrir un petit film qui n'était pas prévu au départ. En fait, je pêche au feeder sur l'arbre. Il y avait une branche qui dépasse en face là. Et ça mordait, mais pas terrible. Et puis à un moment, j'avais lancé quelques dépelés fish and feed salsa en 4 mm au bord comme ça. Puis je regarde et là, à 30 cm de moi, je commence à voir des fouilles et des carpes qui passent. Alors là, je dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et là, du coup, vous allez assister à ce petit film que vous allez voir après. Après mon introduction, donc un petit film qui dure 1h30, mais bien sûr je vais couper quoi. J'ai pas arrêté. J'ai eu pas mal de décroches aussi quand même. J'ai pas forcément. J'ai terminé avec une canne assez, une ligne assez simple. Hein. Petit bouchon de 0,35, vous allez le voir dans la vidéo. Un petit hameçon numéro 10. Des plombs. Et là ce que je disais justement pendant le film, aujourd'hui, autant je suis pas un adepte quand je pêche à la patte. Je suis pour plomber les bouchons. Là, franchement, le poste s'y prête très très bien pour pêcher avec un bouchon à pâte pré-plombé. Et que ça, voilà, parce que là, dans 40 cm d'eau, c'était intéressant. Quoi. Donc, vous allez découvrir ce petit film. Ce que j'ai utilisé justement, parce que j'ai commencé, j'ai amorcé sur mon poste avec des, ce que je disais, du salsa, des pelés salsa. J'ai commencé après en utilisant des petits pelés mous de fish and feed. Donc là c'est du monster krill et il y a du salsa aussi. J'ai eu des touches mais j'arrivais pas, j'ai commencé, je décrochais tout ça. Et du coup j'ai terminé, j'ai mis de la pâte diva et depuis que je fais la pâte diva ça cartonne. Bah, j'ai plus de facilité à avoir les poissons. Voilà, donc c'est une pâte à base d'insectes. Donc c'est très très bon pour l'été quoi. Bah, quand les eaux commencent à réchauffer quoi. Voilà. Donc j'espère que ce petit film vous plaira. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Alors pour les gens qui auraient des doutes sur la qualité des appâts fish and feed, là vous voyez je pêche au feeder un peu plus loin là. Et il y a des carpes qui sont venues manger. Donc il semblerait qu'il y ait des carpes. Là j'en ai vu trois tout à l'heure. Il y en a qui tournent autour là. Donc on va essayer au pelé mou. J'essaie de faire un poisson vraiment tout au bord là. Il y a quoi? Il y a 40 cm d'eau. C'est pour ça, des fois, faut pas hésiter. Hein. Faut pas. On essaye de pêcher loin et les poissons sont à vos pieds. Bon, la difficulté, c'est qu'il faut être discret parce que le moindre bruit, là, les vibrations, il n'y a pas beaucoup d'eau. On va essayer. Allez, c'est en train de picorer. Les pelés salsa en 4 mm. J'ai pas de pâte de prête là. Donc, sinon, j'aurais fait de la pâte. Oh, puis j'ai un gros bouchon aussi. Touche et c'était pas des petits poissons tout à l'heure qui venaient. Attends, il n'y a pas beaucoup d'eau. Ah, ah, ah. Oui, c'est bon. Oh, décroché, c'est violent comme ça au bord. En plus, j'ai pas eu le temps d'affairer. Bon, on va essayer, c'est pas grave. De toute façon, elles sont en confiance. Hop, toc, on va changer la ligne tout de suite. On va redonner un petit peu à manger. Le problème c'est qu'il faut que j'épuise hors mon cou, sinon ça fout le bordel. Ah, les plus fines ça va être mieux ça. Voilà. Ça va être mieux pour pêcher au bord. Un bouchon de 0,3 g. Pratiquement pas plombé. Voilà. Là, elles sont là, je les vois. Avec lunettes polarisantes. Wow. Ouais, c'est en train de fouiller là. Là, je crois qu'il va falloir que je fasse de la pâte, ce sera plus simple. Bon, je vais les laisser tranquilles. Je vais faire de la pâte vite fait. Comme ça, je vais être fixé tout de suite. Là, je viens de faire de la pâte, je viens de faire de la diva. Je pense qu'à la pâte, je vais mieux les taper. Bon, par contre, la pâte, là, je l'ai fait vraiment très, très, très peu mouillée. Je veux qu'elle travaille rapidement. C'est parti. J'ai pas besoin de coupelle. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de carpes là, c'est énorme.
Ah, c'était tout de suite. Vous avez vu, j'ai pas attendu longtemps. Hein. C'est énorme. Ah, il a sauté tout de suite sur le bout de patte. Bon, on va essayer de ne pas la casser, celle-là. Énorme. Bon, après, il faut les sortir, c'est autre chose. Il y a plein de carpes. Elles sont toutes au bord. Bon, si je fais pas de bruit, si je fais pas trop de bruit... Par contre, c'est l'épuisage, je vais les épuiser un peu plus loin. Elle essaye d'aller sous les branches, là-bas, en face. En attendant, je vais continuer à entretenir mon cou. Même si je perds le poisson, c'est pas grave. Faut pas hésiter à rappeler. De toute façon, le poisson, il saute dans les pelées, là, pour maintenir le poisson sur le cou. Bon, là, ça va, elle s'est dégagée. Voilà la stratégie, hein, j'essayais au pelé mou, j'essayais, j'insistais, j'avais des touches, mais ça arrachait tout de suite. Là, j'ai fait un petit peu de pâte. Par contre, la pâte, elle est plus que sec que mouillée, on va dire. Mais c'est volontaire, hein. Il n'y a que 40 cm d'eau, je voulais vraiment que ça travaille tout de suite. Et là, le bouchon, il a coulé tout de suite, j'ai ferré le poisson dessus. Hein. Donc, elle a sauté dessus. Bon, on va essayer de la récupérer. Bon, c'est plus petit que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était un beau poisson, mais bon. C'est pas grave, salut. Bon, bah, je vous abandonne. On se retrouve après, j'espère, avec le poisson. Yes! C'est bon, c'est dans la boîte. Ouais, c'est un petit poisson cette fois-ci. Mais c'est un poisson pris au bord. Pêche de bordure, là, on ne peut pas mieux dire. Hop. Et en plus, attrapé d'une certaine façon. Là, c'est plus de la pêche, c'est pratiquement de la chasse, on va dire. La pêche à rôder, on pourrait même dire, en bordure. Voilà. Voilà, les amis. Allez, on va essayer d'en faire une autre, tant qu'elles sont là. Je vais, hop. On essaye, on va pas faire de bruit. Il y en a toujours, ça fouille encore. Il y a de la fouille. C'est la folie, ça. Hop. Elle travaille super bien, la diva. Ah, ils sont là, je vous le dis, ils sont là. Elle travaille super bien cette... dans les eaux chaudes, la diva. Alors, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais là j'ai vraiment la patte qui travaille dès la tombée. Ça fait dans la couche d'eau. Et le poisson saute tout de suite dessus. Allez, c'est bon. Voilà. Ah, ça peut pas puer. J'ai vraiment deux bordures. Ça peut puer deux bordures. Je suis à quoi, à 30 cm du bord dans 40 cm d'eau. Et depuis tout à l'heure, j'ai lancé des pelées dures. Ah, et voilà. Ça, c'est ce que... Des pelées dures fish and feed. C'est pas grave, c'est le risque. Hein. Ah, puis là, elle part directement en pleine eau, hein, c'est normal. Hop. Puis j'ai un petit hameçon aussi. Hop. On continue. De toute façon, les poissons sont sur le coup là. Hop. Bon, l'avantage, c'est que là, j'ai pas besoin de couper elle. Hop. Je fais des petites bouchées. Enfin, j'ai un bouchon très très petit, elle fait 0,3 g. La pâte la fait descendre. Ah, oh, un esturgeon. Il y a un énès. Ah bah, ça... Bon, bah, il veut rester là. Quand il va partir, il va me faire une chandelle et il n'y a que 40 cm d'eau. Ah, je pense que c'est un énès parce que j'ai cru voir. Ouais, c'est un. Il commence à se défendre. Bizarre, il peut sauter. J'ai pas dû le taper par la. J'ai dû l'accrocher par la gueule. Par la queue, pardon. Ah, je voudrais faire plutôt l'épuisage de l'autre côté parce que sinon je vais foutre le bordel sur le cou là, c'est le risque. Hein.
Ah, il est en train de foutre le bordel sur mon cou là. C'est pas ce que je voulais. C'est surprenant qu'il ne nous ait pas fait une chandelle. Ah! Pris en bordure, bon, je l'ai pas pris par la gueule celui-là. Voilà. Joli bonhomme. Allez, on va le remettre à l'eau tout de suite. Il veut pas passer à la télé. Voilà. Allez, on essaye, on continue. Il y a du poisson encore sur le bord. On va essayer de pas faire de bruit. Celui-là, je vais aller le mettre un petit peu plus loin. A tout de suite. On va pas faire de bruit. Bon, de toute façon, les amis, au bout d'un moment, je pense que ils vont avoir compris la combine. Enfin, n'empêche que je fais trois poissons là. Pas trois poissons. J'en fais deux et j'en perds deux. Quatre touches. Un petit bout de pâte. Alors, j'aimerais bien piquer le poisson par la gueule, ce serait cool. Hop, ça c'est de la pêche. Joli poisson en surface. Allez, on va essayer de le sortir. Cela une belle carte. Hein. Sans se faire démonter. Ça va vite, hein. Vous avez vu? Non, bah, c'est parti là-bas. Bon, on va essayer d'aller comme à de l'autre côté. On va tourner, on va aller là-bas. Hop. Comme ça, ça évite de foutre le bordel sur les coups. Bon, c'est un peu atypique comme pêche, mais bon, le but c'est de faire du poisson. Donc là, elle n'a pas encore fait son combat. On se demande ce qui se passe. Ah, c'est un joli poisson. C'est pas l'enfumé cette fois-ci. Bon, la stratégie de passer à la patte et d'arrêter les pelés mous, c'est plus de réussite quand même. Waouh, on va pas faire de bruit, discret. C'est un joli petit poisson. Pas encore vu, il se demande ce qui se passe. Allez, doucement, il a vu l'épuisette. Ah, puis là, vous n'avez pas beaucoup d'eau là au bord. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais c'est pas évident d'épuiser un poisson dans peu d'eau. Ah, c'est vraiment de la pêche à rôder là. C'est plus de la pêche au cou là. Mais avec une canne, du coup. Allez, doucement. Allez, viens. Ah, c'est un très beau poisson. On va voir ça. Magnifique. Ouais, c'est super. Yeah. Good. Je sais pas si vous avez vu à la caméra le combat. En tout cas. C'est un très beau poisson. Bon les amis, je viens de faire un très très beau poisson en bordure, comme vous avez vu, dans très très peu d'eau. Donc là je pêche vraiment dans 40 cm à la patte là. J'essaie de ne pas faire trop de bruit parce que vraiment mon cou est vraiment au bord de la station. Et celle-là, elle est pas. Voilà. Super en bordure, comme vous avez pu le voir, un beau poisson, ouais, qui fait ses 8 kg sans problème. C'est une boule, ah, nickel. Allez, on va remettre à l'eau. Yes, à tout de suite. Ah, c'est un peu le bordel. On va remettre un petit peu du miam miam. Hop, et on va voir si il y a la suite. Donc la patte diva. Ok. Allez. On va pas pêcher loin. Ah. Ouh. Petit poisson nerveux. Et bah vous voyez, avec un kit numéro 2, vous pouvez faire de la carpe en bordure. J'ai une canne de plat décroché, canne de bordure. Ah, j'ai un petit hameçon et je pêche à la patte, donc c'est normal que je décroche. Hein.
c'est normal. C'était un petit poisson. Petite commune. Hop, oh, c'est énorme. Là, je prends mon kit. Ah, c'est part tout de suite au large pour aller un peu plus dans l'eau plus profonde. Alors, ce qui est chiant, c'est que je peux pas épuiser sur mon coup, quoi. Parce que là, je suis vraiment devant le cool. Donc, si j'épuise, je vais foutre le bordel. Donc, c'est pour ça que je m'écarte. Donc, c'est un peu sportif. Mais bon, si ça permet de faire du poisson, je tente le coup. Je laisse le kit ici. J'emmène l'épuisette. Ça me paraît pas trop gros. Belle petite commune. Ah, c'est pas évident épuiser. Hop. Yes. C'est bon. Ah, une petite commune. Ouh. Pas évident. Voilà, ça les amis. Et tout en stress. Allez, on va aller les remettre tout de suite à l'eau. Toc. Pas le temps de souffler là. Voilà. Allez, si on y retourne, on va pas faire de bruit. Tant que le nid marche, on continue. Ouais, je relance 5-10 pelés en rappel depuis tout à l'heure. Allez, c'est parti. Oh, oh, je sais pas ce que j'ai piqué. Je sais pas quand ça tourne en rond comme ça. Ah, c'est une carpe aussi. Ça va vite. Hein. Bon, bah, on va aller l'épuiser. Le problème, c'est que... fait des à-coups dans la canne. Ah, c'est à prévoir. Ah, je l'avais pas, je l'ai pas piqué par la gueule, c'est pour ça. Hop. Le problème, c'est que je dois être un peu trop dans le fond là, vous voyez. Je suis pas un pêcheur à pratiquer le comment. Là, dans 40 cm d'eau, ça vaudrait le coup d'utiliser un bouchon préplombé à la patte. Là, franchement, je pense que autant d'habitude, je plombe toujours mes bouchons, mais là, ça s'y prêterait vraiment. Je m'embêterais pas là. Bon, ça se calme un peu, c'est normal. Puis j'ai fait un petit peu de bordel aussi quand même. Mais j'ai encore des touches. Mais mon poisson un peu plus méfiant là. Ça n'arrête pas, ça continue. Yes. Oh. Allez. Ouh. Encore un joli poisson. Bon bah les amis.
J'espère que ce petit film, ce rapide film vous aura plu. Donc là, c'est vraiment de la pêche de bordure, je dirais même de la pêche à rôder, même si je suis sur mon poste sur une station. Mais le poisson, il est à 30 cm du bord. Bon, faut pas faire de bruit, ça a l'air de marcher. Là, c'est cool. Voilà, donc les aléas. Et un joli petit poisson. Donc, je vous invite à cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez continuer à suivre les vidéos que je poste sur la chaîne YouTube. Pour les nouveaux, je vous invite surtout à vous abonner et si ça vous a plu, à liker. Donc vous voyez, une pêche de bordure, c'était vraiment pas prévu. Voilà, je vous dis à très bientôt. Là, un nouvel épisode prochainement, la pêche de nuit. On va commencer. Voilà. Allez, on va la remettre à l'eau. Allez, ciao les amis, à bientôt. Bye bye. Bon, on va essayer de l'attraper. Je te dois de l'air.